Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Foundation. Et aujourd'hui, on va essayer de se focus sur la production de nourriture. Chose à laquelle je n'avais pas pensé la dernière fois, c'est que en fait, on produit énormément de bois dont on n'a pas besoin. Donc, on va aller voir les camps de bûcherons. Les camps de bûcherons. On en a 4. Donc on en a un là, ok, qui devrait suffire largement, je pense. Celui-ci sert plus à rien. Donc on va virer les gars, voilà. Et on va le détruire. Supprimer, hop. Celui-ci qui est au milieu là, pareil, on pourrait le supprimer celui-là. Pourrait se contenter de celui là-bas, je pense, honnêtement. On va garder peut-être celui là et le dernier c'est lequel? C'en est un là, j'en avais construit un ici. Ah oui, pour produire ici du charbon, effectivement, effectivement. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer celui-ci, voilà, ce camp de bûcheron là. Le camp forestier ici aussi ne servira plus à rien. Donc on va virer ce gars ici. Hop, on va le détruire. Là, on va les désaffecter. Et on va le détruire. Hop là. Ok, et donc là du coup, alors on a une cabane de pêcheurs qui s'est construite ici. On devrait avoir plus de disponible. Ferme de houblon, ouais, c'est normal. Les mineurs, ok. Charpentier, ouais, c'est pareil, on en produit beaucoup de du bois, des planches. Est-ce que je les vendais, je crois, mes planches, non? Peut-être qu'on pourrait arrêter de les vendre. Au-delà de 300. On va voir. Là, je suis à combien du coup de sans emploi? J'en ai pas mal, donc je vais pouvoir essayer de booster un peu ma production de blé et de pain. Alors, ce serait pas mal qu'ils finissent de couper ici. Ah ouais, mais du coup, les camps de bûcherons sont hyper loin, ça va jamais se faire. Nouvelle mission militaire disponible. Et si je fais des trucs comme ça, là, j'ai pas testé, tiens, si je fais genre ça, ça, ah, si je fais commencer la construction, ah non, ça y coupe pas, c'est pas ce que je voulais faire, ok, je pensais que ça allait enlever les arbres, automatiquement, mais non, mais non, mais non. Parce que du coup, le pain là on est bien alors qu'il pleut. Hein. On est plutôt bien en pain alors qu'il pleut, je trouve. Par contre, on a aucun blé stocké. Hein. On a zéro blé de stocké quoi. Ah si, on a 71 quand même. La farine on est à 0. Et oui, forcément, on produit moins de blé donc on. Donc c'est la galère. Ok, le poisson c'est la daube. Il y en a beaucoup qui manquent de nourriture. Donc là, l'idée, c'était d'arriver à produire plus de lait. Arriver à produire plus de lait pour produire plus de fromage. Sauf que on n'arrive toujours pas à produire du fromage. Ok, donc ça, c'est fini. On va voir comment ça remonte maintenant. Parce que là, du coup, on commence à avoir quand même pas mal de fermes, je trouve. Peut-être qu'il va falloir en faire plus, hein. Peut-être qu'on va en avoir besoin de plus. Donc, ici. Ici, on a quand même pas mal de fermes laitières aussi. Hein. Et on n'arrive pas à produire du lait, c'est dingue ça. Peut-être qu'il faudrait ici un grenier quand même. Parce que par exemple, lui, il fait quoi lui? Je peux, parce que je peux le cliquer dessus. Oui. Lui, c'est un fromager. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va chercher du lait ici, qui va emmener là-bas.
Ok, donc déjà le fromager, il va se promener pour aller chercher les trucs. Donc là le blé maintenant ça devrait. On devrait remonter en blé, hein, je pense. Ce que je comprends pas, c'est les baies aussi. Les baies, j'ai la production de partout, j'en ai plein. Mais ça produit pas. Ça ne monte pas. Fromage, c'est pareil. Peut-être qu'il faudrait que j'ai un grenier par là, hein. Ce serait plus efficace. Peut-être que ce serait plus efficace si j'avais un grenier par là, hein. Genre un grenier là, là. Paf. On va voir. Bon, déjà le pain ça devrait monter là quand même, je pense. Je pense. J'espère. La pierre, on est bien maintenant. On commence à bien monter. Pierre taillée, on est cool. On est à l'aise en pierre taillée. Peut-être qu'il va falloir réduire le nombre de la production. On va peut-être la vendre au-delà de 500 aussi. La pierre taillée. Ah bah je la vends déjà au-delà de 300. Et je suis à 500. Donc bah on est bien quoi. On est bien bien bien. J'ai toujours des villageois qui manquent de bouffe. 80... Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce que ce sont des villageois par là? Est-ce que ce ne seraient pas des villageois par ici? Parce qu'ils sont beaucoup trop loin des trucs de production. C'est probable. Là, on vend quoi? Du pain. On vend pas de fromage. Peut-être qu'on pourrait faire un marchand de fromage, là. Un fromager. Sanglier, non. Fromage, c'est mieux. Hop. Le pain, ça descend à mort. Le pain, ça descend à mort. Pourtant, je sais pas comment faire de mieux. Hein. Là, on va commencer. Normalement, on devrait stocker là. Donc là, on n'a pas encore fait la récolte. On va voir une fois que la récolte aura été faite, à combien on est. Je commence à avoir une sacrée ville maintenant. J'aurais voulu qu'ils viennent un peu par là aussi, les habitations là. Ouais. Parce que là, ils doivent. Résidentiel. Ouais, voilà, résidentiel, c'est bon là. Ça devrait être pas mal. C'est quoi ça? C'est qui ce mec là? Qu'est-ce qu'il fait lui? Lâche-moi tout ça là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Chasseur, ok. 19 ans. Il a pas une tête d'avoir 19 ans sur la photo. Ah, peut-être qu'au Moyen-Âge, à 19 ans, ils étaient déjà bien barbus. Alors, à mon avis, c'est les gens ici qui manquent de bouffe. Oula! Ouais, c'est normal, mais normalement, en budget, je suis bien. Ouais, je suis dans le positif normalement. C'est juste au début du mois que ça galère un peu. Bon, là c'est la merde. Des vêtements encore? Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'en avais arrêté un, je crois. Hop. J'en avais arrêté un parce que je ne produisais pas assez de laine et j'avais baissé vachement mon stock. La laine, on pourrait peut-être en refaire un peu. Il me faut qu'un berger en plus pour produire de la laine. Donc là, on a dit qu'on arrêtait le bois ici. Donc, je peux construire une autre bergerie. Hop. Par là. Hop. Voilà. Ok. Il y en a zéro qui a décidé de rejoindre mon village. Oui, parce que j'ai pas de bonheur. Parce que j'arrive pas à subvenir aux besoins de mes habitants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore construire une nouvelle ferme de blé. Ferme de blé, ici. J'en ai pas construit une d'ailleurs avant de m'arrêter la dernière fois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors là, on va essayer de bouffer le maximum d'arbres. Parce que là, on pourra en faire une autre par là aussi. On va faire une ferme comme ça.
Là, dans les moulins, on est bien normalement. Oui, mais il manque de blé pour le moment. Parce que je n'arrive pas à stocker du blé. Je suis à 45 en blé. Construction terminée, un grenier. Donc là, on va mettre 1, 2, 3. Et on va stocker du lait. Et du fromage. Et voilà. Ok. Comme ça, eux, ils pourront amener tout directement ici. Et le fromage, on monte toujours pas. Le lait non plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le problème c'est que si là je fais ça, je peux plus avoir assez de place dans mes églises. Enfin, j'améliore mes églises. Peut-être pas. Allez, on va faire la moitié à peu près. Voilà. Clac. On va voir. Peut-être qu'ils consommeront plus aussi et que ça me rapportera plus d'argent. Là je perds, mais normalement je ne perds pas. Normalement je suis à l'équilibre. Oh bah non, pas du tout. Pas du tout. D'entretien, dépense générale, c'est quoi ça, dépense générale, taxe territoriale, putain, taxe territoriale, bordel. Taxe territoriale, bordel. On va renvoyer des mecs à la guerre. Hein, très difficile, tiens. Est-ce que je peux les envoyer tous? Hop, très élevé, envoyé. Boum. Allez, où 62. J'ai la moitié de mes villageois qui manquent de bouffe. Mais je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à produire de la bouffe. Putain, je fais que booster ça depuis le début. Je ne comprends pas. J'ai pas assez de farine. Je produis pas assez de farine. Donc peut-être qu'il me faut un autre moulin. Maintenant. Un moulin. Un moulin, 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 moulin. Il est où le moulin? Il doit être au début là. Moulin avant. Alors lui, on va le mettre. Bah, faudrait le remettre par là quand même. Non, on va le mettre par ici, le moulin. On va le mettre par ici. Disons là. Clac. Hop. Ok. C'est pas trop loin de mes greniers ici qui stockent ce qu'il faut. Parce qu'il faut faire gaffe aussi. Oh putain. Oh là là. Vêtements. Je suis à 50, je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, bonheur. Lui, il a manqué de tout, lui. Il habite où? Ouais, il habite au milieu en plus, quoi. Son lieu de travail. C'est un transporteur là. Ok. Il manque de vêtements. Poisson, nourriture. Il manque de poisson. Il veut du poisson lui. Un autre pêcheur alors, parce que les poissons c'est vrai qu'on est à zéro quoi, mais bon, cabane de pêcheur, on va refaire une cabane de pêcheur par là, hein. Qu'est-ce que je vous dise, hop, on va refaire un moulin, on va refaire une
boulangerie peut-être, je ne sais pas. Non, les boulangeries, je dois en avoir assez, je pense. Parce qu'ils n'ont pas assez de farine. Manque de place d'habitation, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Là, il y a de la place de partout ici, il y a de l'attrait ici, il y a de la place ici, il y a de l'attrait aussi. Hein? Peut-être que j'ai trop voulu centraliser les choses, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais dû faire un peu de production ailleurs. Je comprends pas que j'arrive pas à monter quoi le lait. J'ai 6 trucs là, j'en ai 4 ici. C'est dingue. Je comprends pas que j'arrive pas à faire monter mon lait. Ok, les sous. Je me demande si on va pas essayer de recommencer une nouvelle ville. Essayer d'optimiser un peu le truc maintenant que je connais mieux. Peut-être que ce que j'aurais dû faire, c'est ne pas tout faire ici. Centraliser les choses avec un grenier et un lieu de stockage au milieu. Je ne sais pas. Ferme de blé. Allez. 3 fermiers. Là, on va faire toc, comme ça. Oula. Clac. Clac. Clac, voilà. Hop. Vous allez faire du blé ici. Oula, très difficile. Ah ouais, donc non. Le soldat était victorieux. Peut-être la prochaine fois. Bon, on va continuer les missions difficiles pour le moment. Soldats sont de retour de mission. Ok, ils ont dû me ramener de l'or. J'espère. Bon. Cabane de pêcheur. Allez, vas-y. Cabane de pêcheur, on assigne un pêcheur. Là, la production. Là, l'optimiser. Enfin, le truc maintenant, c'est de produire de la bouffe. Absolument. Alors, attendez, on va essayer de regarder là-dedans. On va redescendre. On avait pris lui là, celui-là par exemple, poisson. Ils me disent exactement ce qu'ils ont besoin. Très difficile, j'ai gagné 1300, j'ai gagné un peu de pain, j'ai gagné un peu de trucs, ok. Très bien. Les églises c'est bon pour le moment, c'était mon truc au début, mais le pain ça commence à monter, j'ai l'impression. J'espère. Je dis ça depuis un moment, mais putain, le lait, je comprends pas. La bouffe. T'habites où, toi? T'habites au milieu, là? C'est eux qui arrivent pas à stocker des trucs, j'ai l'impression. 0, 0, 1. Comment ça se fait qu'ils arrivent pas à ramener des... Faut que j'arrive à produire déjà. Quand j'arriverai à produire, que j'aurai des stocks, eux ils se fourniront comme il faut. Et quand ils seront fournis, ils pourront bien vendre. Le problème c'est que là ils se fournissent pas. J'ai l'impression. Les baies c'est pareil, alors attendez. Les baies. On va refaire un truc de collecteur là. Hein. Cabane de récolte. Hop. Là, dans le moulin, on va mettre deux meuniers. Peut-être que j'arrive pas encore bien à optimiser mes stocks, je ne sais pas. Commencer une production, clac clac clac. Je vais essayer de lire un peu ça quand même. Effectivement, ok.
blablabla. Les ressources en nourriture doivent d'abord être transportées d'un bâtiment de production vers un grenier, avant d'aller au traitement ou au marché. Vous pouvez trouver le grenier dans le menu bâtiment public, ok. Ok, je peux, ouais. Jusque là, rien de bien fou. Ok, donc là je suis plein en charbon, donc je peux peut-être en enlever un charbonnier, il n'y a pas besoin d'autant. Ouais, les minerais de fer aussi. Je produis encore du fer là? Non, j'ai enlevé mes mineurs. Hein. Ouais. Tout ce qui est production d'outils, machin, tout ça, j'ai arrêté, je crois. Ok. Est-ce que... Ok, j'entrepose un petit peu de blé. La farine, j'en produis pas assez, j'ai l'impression, du coup. On va attendre un peu là maintenant parce que j'ai un nouveau moulin avant. On va voir, je consomme énormément de... Ah, le blé, ça... le lait, ça commence à remonter. Voilà, mais je m'en fous de l'émissaire. Du poisson, non, non, je garde le poisson. T'es ouf, toi. T'es ouf. J'en ai pas beaucoup en plus. Je vais d'ailleurs refaire une nouvelle cabane de pêcheur. Hein. Puisqu'on en a besoin. Là, j'avais construit mon pont pour faire un super monastère, mais au final, je sais pas si je vais le construire. Parce qu'il va me coûter de l'or par semaine, truc que je n'ai pas beaucoup. Enfin, plus beaucoup. Et beaucoup de ressources et du verre que je n'ai pas, c'est ça. Ah oui, d'ailleurs, je devrais en produire du verre maintenant. Est-ce que j'en produis du verre? Pourquoi j'arrive pas à produire du verre? Je comprends pas. J'ai tout ce qu'il faut là. J'ai des souffleurs, j'ai du quartz, j'ai du charbon. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à produire du verre. Allô? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi eux ils arrivent pas à produire? C'est quoi? C'est buggé? Ou quoi? J'ai l'impression que c'est ce truc qui est bugué là. Non. J'ai qu'un seul mec qui est sans emploi. Oh là là. Bon. Ça va me rapporter de l'or déjà. Vu que je suis en déficit, ce sera pas mal. J'ai choisi une mission facile, moi, je m'en fous, non? Je veux prendre une mission difficile. Voilà. Hop, 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 envoyé. Ok. Et on va essayer de finir la mission très difficile après. Oh là là. Ah là, ça commence à monter le lait. Putain, le pain, c'est toujours la dèche. Hein. Je comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je produis toujours plus, mais j'arrive pas à monter. Et là, je comprends pourquoi ça n'arrive pas à produire. Je vais essayer de désaffecter ces gens-là, voir. Est-ce que c'est ce truc qui est bugué? Ah, pourquoi j'arrive pas à en affecter? Un, deux... Ok, non, pas quatre.
juste 2, non 3. Ok. Parce que là il devrait amener le charbon qui est ici et il devrait produire du verre un peu là. Il y a du charbon, il y a des souffleurs de verre, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais en reconstruire un. Fonderie de verre. Hop, on va la mettre là. Clac. On va voir, hein. Cabane de pêcheur, terminé. C'est celle-là, hein. Voilà, hop. Je pense qu'il y a moyen d'optimiser, faudrait que je vois. Ah, toi tu dégages. Putain, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un mystère. C'est un mystère. Je me demande si on va pas recommencer quelque chose pour essayer de... Enfin, en allant voir sur internet qu'est-ce qui est faisable, ou alors on s'en arrête là. Vu que le jeu est en bêta, je vais essayer quand même de continuer de m'améliorer, mais vu que le jeu est en bêta, peut-être qu'on pourrait attendre qu'il soit un peu mieux développé. Peut-être qu'il y a des problèmes avec certaines choses aussi. Parce que je rappelle que c'est un jeu qui est encore en développement, qui est en early access. Bon, là le lait je monte. Beaucoup. Enfin, beaucoup, je monte pas mal. J'ai pas un grenier là qui pourrait stocker du blé, la farine. J'ai l'impression que j'ai énormément de greniers de partout, mais que ça me sert à rien. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe dans ce jeu. Gardez les troupes avec vous. J'ai du stock. Sont un peu en manque de vêtements. Fonderie de verre. Ok. J'ai deux souffleurs de verre. Ils ont été affectés. Il y a déjà du quartz et du charbon. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Eux, ils arrivent plus à produire de charbon. Je sais pas pourquoi. Alors que là, j'ai un emplacement de charbon. Je ne comprends pas, j'ai un emplacement pour mettre du verre mais ça marche pas. Les souffleurs de verre, ils arrivent pas à produire du verre. C'est bugué là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je fais mal? Toujours des gens qui reviennent en tout cas. Ça s'améliore un peu, la bouffe c'est toujours pas ça. Là, le lait, il faudrait que j'en produise encore plus, à mon avis. Parce que j'arrive pas à le stocker, donc tant que j'arrive pas à le stocker, il faut que je continue à en produire. Et tant que je produis pas de nourriture, je ne peux pas essayer de m'améliorer. Ah oui, d'ailleurs, autre chose. Là, je produis toujours pas de bière. J'ai l'impression que mes productions sont bloquées, en fait. C'est... Je sais pas. C'est où qu'on vend de la bière? C'est là-bas. Hein.
On peut pas voir normalement le nombre de bières qui ont été vendues. Ah oui, 8 bières vendues cette semaine. Bon, il faudrait peut-être que je fasse des brasseries. Je ne sais pas. Ok, ça on continue. Pareil, le commerce, j'ai pas bien compris comment ça marche. Ça coûte très cher. C'est ça que j'ai vu. C'est que ça coûte très cher quand j'ai besoin de quelque chose. Ça monte pas, hein, ça monte pas. Pourtant, j'arrête pas d'en faire des fermes. Le blé, c'est pareil. Farine, je suis à rien. Le blé, je suis à que dalle aussi. Et ça monte pas. Mais je me demande si c'est pas lié quand même au grenier. Je me demande s'il faudrait pas que je fasse des fermes avec un grenier qui stocke du blé, avec à côté. Peut-être qu'on pourrait essayer de faire ça, hein. J'avais fait mon grenier là au pif, au bidon au début. C'était peut-être bidon, hein. Peut-être que c'est bidon. Je vais, ce que je vais faire, c'est que cet épisode-là, on va s'arrêter. Je vais essayer d'aller voir des tips. Putain, le bois, j'en produis encore 10 fois de trop. Je vais aller voir des tips sur le jeu, sur comment comment mieux s'organiser, et la prochaine fois on essaiera de réorganiser notre ville. Ça me sert à rien, ça, rien du tout, rien du tout, rien du tout. J'ai déjà tout débloqué là-dedans. Et on essaiera de réorganiser nos fermes pour être optimisé en production, quoi. Parce que là, c'est vraiment l'horreur, quoi. Même les vêtements, là, je suis encore hyper bas, alors que je fais qu'augmenter ma production. La laine, c'est à zéro. Enfin, putain, je comprends. Ça descend, alors que j'ai fait qu'augmenter mes trucs. Mais attendez, là, j'ai pas mis de berger. Voilà. Là, j'ai un nouveau berger. Promotion. Peut-être qu'il faut aussi que je les promeuve tous serfs, au minimum. Pour qu'ils aient des maisons. Ça a vachement descendu. Les tisserands. Peut-être qu'il va me falloir une nouvelle cabane de tisserands. J'en avais pas fait une nouvelle, là. Si, j'en avais fait une autre, en plus. C'est que à partir du rang de roturier, hein, qu'ils ont besoin de vêtements. Oui. Avant, ils ont besoin uniquement de... Ah mince, on voit pas. Y a un endroit pour voir, d'ailleurs. Attendez, c'est où? J'ai 137 serres, 131 roturiers, 12 citoyens. Troisième... Alors, je crois qu'il y avait un endroit pour voir. Je sais plus où c'est. Putain, ça monte pas, ça ne monte pas. Je sais pas quoi ça sert les murs. Juste à faire joli, je suppose.
Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque j'en suis à 35 minutes, et je vais aller voir des petits tutos, un peu, et on essaiera de réorganiser tout ça. Parce que là, je pense qu'à mon avis, c'est juste un problème d'organisation entre les différents points de collecte et tout. À mon avis, c'est ça. Ou peut-être même qu'on fera encore mieux, qu'on recommencera une ville. En l'optimisant à mort. On prendra pas une ville avec des îles. Enfin, on essaiera. Parce que là, j'ai commencé avec des îles et c'est peut-être pas terrible. Peut-être qu'il faut avoir un village qui se produit sa nourriture. Chaque village produit sa nourriture. J'ai peut-être trop voulu centraliser la bouffe au même endroit. Et du coup, à mon avis, c'est peut-être pas forcément le mieux. Parce que du coup, enfin, quand ils ont besoin de... Ouais, mais là, les marchands, ils devraient emmener 50 d'un coup, non? Je sais pas comment ça fonctionne. C'est vrai que s'ils prennent pas beaucoup de bouffe et qu'ils fassent les trajets plein de fois, eh ben, c'est peut-être pas optimisé du tout. Ouais, je vais essayer d'aller voir ce que je peux faire. Comment je peux améliorer ça? Parce que là, j'ai l'impression que je suis dans une impasse, que j'arrive pas à produire plus de nourriture, à produire plus de trucs. Il y a quelque chose que je comprends pas. Donc je vais aller voir un peu. Ou peut-être que je m'arrêterai là et qu'on essaiera une prochaine fois de se refaire un autre let's play plus tard. Quand il y aura eu des mises à jour aussi de Foundation. Des nouveaux ajouts. Je sais pas tout ce qui est. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai un autre épisode après celui-là. Et on verra où c'est qu'on peut aller avec ça. Allez, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Enfin, une bonne continuation d'ailleurs, parce que moi c'est le soir, mais vous pas forcément. Et je vous dis à bientôt. Salut à tous. Ciao!